Hey, hey les amis, ici Harry pour un nouvel épisode de Demolition Girl. Oui, car vous vous souvenez la dernière fois, nous étions attaqués à Rio Futaba et nous l'avions bien eu. Comme on aime bien s'attaquer à des jeunes filles de... Vu le menu, là, elle doit faire 300 mètres de haut minimum. Oui, donc vu qu'on aime bien s'attaquer à des filles de 300 mètres de haut, eh bien, on va s'attaquer et on va continuer l'histoire de Rio Futaba, devenue gigantesque. Et nous nous étions arrêtés au chapitre 3, UFOQ. UFOQ ? Je sais pas ce que ça veut dire. Sudoku, je sais pas. Ok, donc l'hélicoptère transportant Rio Futaba a été attaqué en route par des objets volant non identifié et elle est en danger grave. Il faut se rendre sur la scène de l'accident immédiatement et sauver les hélicoptères. Ok. Oh, je suis choqué. C'est quoi la différence? Ok, est-ce qu'on en prend un bleu Sonic? Ouais, bleu Sonic, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le missile, on prend le laser, on a des armes spéciales. Oui. Oh oui! Oh mon dieu! Oh, je suis choqué de plus avoir un hélicoptère là! Oh mon dieu! Tam News, ok, qu'est-ce qu'ils disent sur Tam? Alors, on a appris avec une radiocommunication que l'hélicoptère en route pour Tokyo transport. Putain, mais pourquoi tu veux amener une femme géante à Tokyo quoi? Si tu veux pas qu'elle casse des trucs, tu l'amènes pas à Tokyo, faut être con quoi! Oh! Bon, blablabla, bla bla. En gros, ouais, en gros, on a détruit la moitié de l'île, blablabla, bla bla. Un hélicoptère est attaqué par une entité inconnue, ok. Alors, notre mission, l'hélicoptère qui transporte Rio Futaba a été attaqué par un objet volant non identifié, ça, on sait, c'était dans le truc. Ensuite, vas-y. Bon, c'est quoi? Ah, putain! Oh putain, ça a l'air compliqué! What? Vous êtes prêts les amis? Parce que je le suis pas. Oh mon dieu. Oh c'est injouable. Oh putain. Oh mon dieu. J'arrive pas à voler droit. Comment on fait? C'est injouable! Mon dieu! Oh! Putain, mais je veux voler, c'est tout! Oh, bordel de merde! Oh, mon dieu! Oh, j'ai jamais vu! Oh, mon dieu! Oh, putain! J'arriverai jamais à faire quoi que ce soit! Oh, j'en ai eu un! J'en ai eu un! Oh mon dieu! Bon, putain, c'est injouable! Oh, j'en ai eu deux! J'en ai eu deux! Oh putain, ça va être chiant! Vite, il faut aller sauver Rio! Oh mon dieu! Ils ont osé faire un truc aussi merdique! Ok. Je comprends toujours pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. J'en ai eu quatre apparemment. Ah, j'en ai eu 6, c'est cool. Putain. Oh mon dieu, à côté Star Fox, c'est bien. Putain, mais comment ça marche ce truc? J'appuie sur tous les boutons, ça fait rien. Mon dieu. Oh putain, mais j'étais encore tellement mieux avec l'hélicoptère. 7. Allez, 8. Je sais même pas où je suis. Oh putain, mais c'est injouable! Mais putain! 9! Ouais! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Putain, mais c'est quoi cette merde?
10! J'en ai eu 10! Oh! Oh, c'est injouable! Oh mon dieu! Oh, mais c'est vraiment, mais injouable! Putain, mais il me reste la moitié de ma vie, j'en ai eu que un cinquième, quoi! Oh mon dieu! Oh mon dieu, mais... Putain! Vas-y, tire lui dessus, bordel de merde, mais putain! Je suis en plein dans le mini, tire au-dessus ce qu'on a! Oh. 14! Oh putain, il me reste que 28% de vie! Putain de merde! C'est injouable! Oh mon dieu! Mais comment on fait pour tirer les lasers? Oh mon dieu! J'en ai 20, allez c'est bon, on va y arriver. Je crois que je commence à comprendre, j'appuie sur tous les boutons, j'attends que quelque chose arrive. Bon, j'en ai 22 là. Je sais pas, en fait ce que je fais c'est que j'appuie sur toutes les gâchettes en même temps en essayant de contrôler ça. Putain, mais à côté l'hélicoptère, mais c'était génial quoi. Il me reste que 9% de vie. Rio Futaba est dans la merde. Mon avion se conduit tout seul. J'en ai 28. Putain, c'est injouable. Oh les amis, mais quelle horreur. Oh mais, ah, je m'attendais pas à que ce soit aussi injouable quoi. Oh mon dieu, bon j'en ai 32. Peut-être qu'en faisant n'importe quoi, je vais arriver à quelque chose. Je fais n'importe quoi, quelque chose se passe. On va y arriver. Ah, putain, mais... Oh putain, mais à côté, Ezekiel qui joue à Titanfall, mais c'est génial quoi. Putain, mais j'ai envie de jouer à Titanfall là maintenant. Avec Ezekiel. J'ai pas envie de jouer à ça. Putain, mais en fait, le jeu il te trompe, il fait croire que tu vas jouer de la. Tu vas voir de la nana sexy et tout, mais regarde, c'est plus qu'un point sur l'écran la meuf. Et toi, tout ce que tu fais c'est combattre, mais je sais pas quoi, regarde, je me fais tirer dessus, c'est. Oh putain, mais. C'est une version vraiment, mais horrible de Ace Combat, il me reste que 2 points de vie. Il m'en faut encore 10! 10 extraterrestres et j'ai gagné! Putain! 10 extraterrestres! Allez! Allez, Harry! Allez! 10 petites merdes! Bon, j'ai raté. Ah oui, on va recommencer. Alors. On est reparti. Allez, on a compris la technique, on appuie sur tous les boutons et on regarde que quelque chose, si quelque chose se passe. J'en ai eu 3. Oh ça y est, je commence à comprendre. Putain, oh, comment il a fait ça? Allez, Harry. Ouais, 4. Tire dans le tas. Je fais ça à l'américaine. Allez. Ah 5. 10% de la mission a été réalisée. Ouais 7. 8. 9. Ça y est, je commence à comprendre. En fait, non, je comprends rien, je fais n'importe quoi en espérant que ça marche. Putain, j'espère que la mission prochaine, il y a un hélicoptère, parce que là, franchement, c'est détestable le jeu. Oh mon dieu, mais c'est injouable. Oh, gameplay de merde. Oh mon dieu, j'ai l'impression que je joue à Tomb Raider 1, quoi.
Mais vraiment, hein, c'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression de jouer à Tomb Raider. Mais le premier, vous savez, quand c'était injouable, il fallait appuyer avec la croix directionnelle et tout. Putain, je viens de faire Al-Qaïda, là. Je viens de me jeter sur un ennemi. Oh. Ah, mais d'accord! La gâchette, c'est le bouton de visée! J'irai peut-être un peu plus. Voilà, je vais rester appuyé sur le bouton de gâchette et je vais peut-être arriver à quelque chose. Ah, ça y est, je commence à gérer. Je commence à gérer, je crois. Bon, j'ai plus de. Oui, 24! Oh, ça y est, je commence à comprendre. Oh merde. Mais putain, mais c'est injouable. Allez, 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 on va sauver Ryo Futaba. Oh mon dieu, c'est un jeu, mais il est génial, quoi. Allez, allez, allez. Oh merde, ici m'a touché. Oui, 30. J'en suis à 30. Et Ryo Futaba est en train de perdre ses lacets. Putain, mais ils apparaissent nulle part. Allez, 35, 35, 35. Allez, 37. 38. En fait, ça sert à rien d'essayer de jouer le jeu, il faut juste aller dans le tas. Et appuyer sur les boutons dès qu'il y a un missile qui arrive. On appuie sur le bouton de missile. Et voilà, 42. 43. Il me reste que 30%. Ouais. 44. Il me reste 31% de vie. On va y arriver. 45. Plus que 5 extraterrestres à battre. Et on aura la mission réussie. Allez. 47. 48. Oui. Ah, bah de toute façon on a raté la mission apparemment. Oh bon bah Ryo Futaba est morte, fin du jeu. Elle est noyée. Bon bah le jeu il est fini, hein. Eh bah oui, hein. Oh mon dieu. Eh bien les amis, 10% de... Oui. Bon les amis, c'était Harry pour le 2 potes un jeu, pour cette chose effroyablement géniale. J'espère que vous serez là pour le prochain épisode, parce que bon, vu qu'il n'y a plus de Ryo Futaba, je sais pas si ça sera intéressant. Allez, salut !